concierge d'une résidence de Grain-en-Saône a eu une drôle de surprise hier matin en découvrant un nouveau-né dans la cave de son immeuble. L'enfant, tout fraîchement mis au monde, avait été placé là, sans danger. L'enquête est en cours pour retrouver la mère. Et pour l'heure, les pouvoirs publics sont ouverts à la compréhension et n'envisagent pas de répression. Raoul Advocat et Bertrand Mélin. Résidence du Moulin, au centre-ville de Grasse, une résidence plutôt calme, les habitants sont pour la plupart des retraités. Bref, ce n'est pas un endroit où le gardien de l'immeuble s'attendait à faire une découverte comme celle qu'il attendait au sous-sol. Tu as raison. J'ai bien été aux séances. Si demain, on approche un peu de soir, la crainte de ce que je cherche, tu sais, on penche un petit peu si j'ai une petite mère qui est mort, et paradoxalement, je suis parti vite sur la zone qui suit et chercher ma femme. L'enfant était couché sur cette chaise, il venait de naître et portait encore une partie du cordon ombilical. Il a été rapidement pris en charge par les médecins et hospitalisé à Besançon. À Grèce, au lendemain de la découverte, c'est plutôt la compassion qui domine. J'étais très surpris parce que c'est des nouvelles dont on n'a plus tellement l'habitude, au XXIe siècle. Mais j'ai tout de suite pensé à la souffrance de la mère. C'est pour arriver à un tel geste d'abandon, eh bien, je pense qu'il faut connaître une grande souffrance morale, sociale. Ce que j'ai envie de lui dire, c'est qu'elle peut compter sur la solidarité des Grégois. Une enquête est en cours pour tenter de retrouver la mère, en théorie. Elle risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement pour délaissement d'enfants. Mais du côté de la gendarmerie et de la justice, on penche plutôt pour la compréhension. Le nouveau-né n'a pas été maltraité, sa vie n'était pas en danger. À la maternité de l'hôpital de Besançon, un petit garçon attend donc que sa mère veuille bien se manifester.